faites bien, Béata? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Anglaise. Pardon? Are you English? Allemande. Vous étudiez le français dans ces bouquins? Vous êtes perspicace. Oh. Alors, qu'est-ce qui pousse une enfant de Goethe et de Beethoven à venir vivre à Paris? Mon père a dit que Paris me dépraverait. Et j'ai trouvé cette éventualité fascinante. Vous ne courriez pas ce risque en Allemagne? Si, mais ça doit être plus amusant en France. Ah oui, alors dépraver les filles, c'est notre spécialité. Alors, bien sûr, la meilleure méthode pour apprendre le français, c'est de vous trouver un petit ami français. J'en ai un. Ah. Je l'accompagne à l'école tous les matins. Et ça vous attire, les hommes très jeunes? Il a 6 ans. Ah oui, alors vous êtes une jeune fille au pair. Je suis à la fois babysitter et esclave. Ah. Et j'étudie votre langue, je suis des cours. Et le petit ami, une fois qu'il vous aura dépravé, il vous épousera? J'ai bien peur que non. Vous n'avez pas envie qu'on sorte ensemble pour voir un film? Oh là là, oh là là, oh, ce que c'est beau si on chante tous les deux en même temps. Oh là là, mais c'est une horreur. C'est là. Eh bien, j'espère que tu réussiras dans tes études. Et toi aussi. Merci. Et surtout que ton petit ami ne va pas t'abandonner. Je crois qu'il a trouvé une fiancée plus jeune. Ah. C'était une très jolie soirée. Oui, pour moi aussi. J'ai pas envie de rentrer. Excuse-moi d'arriver si tard. J'ai eu peur que tu viennes pas. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas venir. Pourquoi? Ben, c'est un peu difficile à dire. Je suis juif. Et alors?
Alors tu es allemande. Je vois pas où est le problème. Tu ne crois pas que ça pose un problème? Non. Tu te souviens de la guerre? J'étais très jeune. Mais... oui, je me souviens que ma mère et moi, nous sommes partis de la maison à cause des bombardements. Ah. Nous étions seuls. Parce que mon père était dans les bureaux de l'armée. Pas d'autres souvenirs? Vers la fin de la guerre, il a été fait prisonnier par les Anglais. Ah. Et il est resté absent presque un an. Une époque affreuse. On t'avait parlé des Juifs? Eh bien, on nous disait que les Juifs étaient nos ennemis. Mais depuis la fin de la guerre, la plupart des gens n'aiment pas trop en parler. Non, ils n'aiment pas ça. Mais c'est peut-être à cause de ça qu'on devrait parler de ces choses-là. Tu vois, les Allemands ont tué 6 millions de Juifs. C'est considérable. Considérable. Et les Allemands sont atteints d'amnésie. Alors, tout le monde dit j'ai rien fait. Oui, seulement. Alors, il faut bien que quelqu'un ait fait quelque chose parce qu'ils ont tous été liquidés. Tu crois que c'est faux? Non, je te crois. Mais c'est dur pour nous de savoir au juste ce qui s'est passé. Pour mon père, ça n'a pas été facile, la guerre. Toute la famille était réfugiée à Nice et... une nuit, la Gestapo est venue. Mes parents nous ont tirés du lit, ma sœur Tania et moi, et ils nous ont fait entrer dans une cachette que mon père avait aménagée en ouvrant le mur derrière un placard. On va jouer à être des petites souris, d'accord? Je vais me rendre, comme ça ils vont peut-être pas chercher plus loin. Tu comprends, il essayait de nous rassurer et peut-être qu'il avait un vague espoir de s'en tirer. Mais au fond, il savait très bien que si les Allemands nous trouvaient, ils nous tueraient tous. Arnaud. Alors suivez-nous. Je peux savoir pourquoi? Vous n'avez pas à poser de questions. Mon père a été envoyé à Auschwitz et il est mort là-bas, dans la chambre à gaz. Et nous avons pu nous sauver dans un coin de campagne perdu où des gens nous ont cachés jusqu'à la libération. Voilà. Dachau. Auschwitz. C'est là que les gens étaient exterminés, massacrés, gazés. C'était pas des soldats, tu sais, mais de simples citoyens. Des gens ordinaires. Alors on les envoyait en train dans ces camps et à leur arrivée, ils devaient se déshabiller. On leur disait qu'ils devaient aller à la douche, mais ce qui sortait des tuyaux, c'était pas de l'eau, mais un gaz mortel. Ça, c'est une liste partielle des Juifs qu'on a déportés de France et expédiés dans ces camps de la mort. Attends. Alors, convoi 61 du 28 octobre 1943. Là, c'est mon père.
Comment tu peux venir ici? Parce qu'un jour, je voudrais publier un livre avec la liste complète de tous les juifs français qui sont morts, pour que leurs souvenirs ne meurent pas. Bon, alors ici, voilà, c'est le dossier de Kurt Lischka. Lischka, c'était le chef de la Gestapo à Paris de 1940 à 1943. Il a été responsable de la déportation à Auschwitz de dizaines de milliers de juifs de nationalité française. Et aujourd'hui, ce type habite à Cologne. Et c'est un industriel prospère. Il vit dans la lueur téléphonique. Non. Si. Et là, c'est Klaus Barbie. Ah, et Barbie, il était le principal tensionnaire de la Gestapo en France. Il opérait à Lyon. Et nous croyons qu'il vit en Allemagne. En toute tranquillité. Comment ont-ils pu s'échapper? Oh, bah Barbie a disparu en 50, d'après ce que nous croyons. Disparu? Oui, il faut dire qu'il a eu un sérieux coup de main de la part des Américains qui l'utilisaient comme agent de renseignement. Alors, ils lui ont gentiment donné tout ce qu'il lui fallait, et surtout des papiers d'identité. Ensuite, quand les Français ont retrouvé sa trace, les Américains l'ont laissé filer. Ils savaient qui il était? Oh, il y a de fortes chances. Je voudrais bien coincer Barbie. Le coincer? Et tu vois, les Israéliens ont eu Adolf Eichmann. Et cet Eichmann était l'officier chargé de la mise en œuvre de tout le programme d'extermination. Et ils l'ont kidnappé en Argentine. Et maintenant, il attend son procès. Donc, ça peut se faire. Ça, c'est le ghetto de Varsovie. Ils sont déjà presque morts. Si je pouvais ne plus être allemande. C'est pas facile. Enfin, en tout cas, maintenant, tu es une allemande qui sait. Ils devraient tous savoir. Comme ça a dû être affreux pour ton père. Je crois que je suis amoureux de toi. Ah, David, excuse-moi. Bon Dieu, on est mercredi? Oui, pardon. Viens, allons-nous. Non, attends, oui, non, on va s'en aller. Non. Si, on va te laisser. Je descends au café. Non, nous, on va aller au café. J'ai besoin d'air. J'en ai marre de lire. Ouais, j'ai envie de boire un verre. Écoute, on voudrait pas te déranger. Au fait, comment va ta mère? Ni plus grande, ni plus petite. Il y a du vin. Il est ouvert depuis 2 jours, mais il est encore bon. Ah, merci. 2 heures? Eh ben, oui, ça serait bien. Ah, enfin. Mais la radio? Ou ma logeuse va coller son oreille contre le mur toute la nuit. Ah. Salut. Je fais l'amour avec toi, mais ce que je voudrais surtout, c'est qu'on parle. Et quand je ne suis pas avec toi, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Les photographies. Je sens en moi une telle rage. Je ne sais pas ce que je dois en faire. Je voudrais écrire tout ça, je voudrais en parler. Et tu sais ce que je veux? Je veux ton amour. Je veux toute ta vie. J'ai besoin
de ton amour. Je veux tout de toi, tout ce qui est au fond de toi. Ça te plaît tant que ça d'être secrétaire? Oui, oui, ça va pour l'instant. Ce travail, tu peux le faire à Berlin. C'est ridicule d'aller à Paris juste pour être secrétaire. Mais j'aime Paris, papa. Ta vie est avec nous, Béate. Tu devrais revenir ici et te marier. Je suis venue pour vous dire que je vais me marier. Il est français? Oui. Et il fait son droit. Il s'appelle Serge Klarsfeld. Il est juif et il est merveilleux. Vous l'aimerez beaucoup. Béate, je n'ose croire que c'est vrai. Il n'en est pas question. Je ne voulais pas que tu ailles là-bas, toi qui es si vulnérable, tu étais seule et c'était une simple question de temps avant que... Une simple question de temps avant quoi? Avant que je découvre la vraie Allemagne? Celle des camps de concentration? Et pourquoi vous ne m'avez pas dit la vérité? Sur les juifs? Si tu fais ça, Béate, tu ne seras plus ma fille. Bonjour, Madame Hallenbrenner. Ton petit-fils est une merveille. Aïssa. Sa tante est une merveille. Et Serge, ça va bien son travail à la Radio Nationale? Très bien. Il a remporté les épreuves de sélection devant tout le monde. Je ne te l'avais pas dit? Il a abandonné le barreau? Non, non, mais ce travail va lui permettre de s'installer. Tu sais, j'ai lu cet article. Ah oui? Que tu as publié. Tu as autre chose en chantier? Je travaille avec Serge. On prépare un papier sur Kissinger. Sur le vrai passé de Kurt Kissinger. Quoi, le chancelier de l'Allemagne fédérale? Pourquoi Kissinger? Il était le sous-directeur des services nazis de propagande à la radio. Cet homme était un nazi? Lui, il affirme qu'il n'était qu'un bureaucrate, mais... Non, il connaissait forcément l'existence des camps de la mort. Bravo. Est-ce que tes patrons savent ce que tu fais? Arnaud, si tu offrais à Ita des chocolats? Tu es gentil, mon chéri. Merci, Arnaud. C'est le prénom du père de Serge. Oh, les enfants sont si précieux. Les nazis ont tué les miens. Et aussi mon mari. C'était Klaus Barbie. Bonjour. Bonjour, Ita. Bonjour. Bonjour, maman. Il n'y a plus de thé? On m'a renvoyé. M'a fiché à la porte. Pour tes retards chroniques? Non. Pour l'article. Je rencontre Madame Hallenbrenner, qui... Enfin, sa famille, ses enfants ont été assassinés tous là-bas. Et lorsque j'écris que le chancelier de l'Allemagne fédérale était un nazi, je suis mise à la porte. Je peux même plus être une simple secrétaire. Non, non, je pleure pas, je suis trop en colère. Tu l'as dit à ma mère? Je voulais attendre que Madame Hallenbrenner s'en aille. Risquer d'être renvoyé pour un article que personne ne lira, est-ce que ça se justifie? Oui. Oui, c'est notre travail. On doit le faire. Ce n'est pas avec des articles qu'on pourra arrêter les criminels nazis. Pas avec des mots. Vous risquez bien trop pour des résultats qui n'apportent rien du tout.
Vous croyez que ce que vous faites arrivera à changer l'opinion publique, mais ce n'est qu'un rêve. Je vais m'occuper d'Arnaud. Je voudrais comprendre pourquoi la presse allemande ne parle de rien. Mmh. On leur a donné des preuves suffisantes. L'Allemagne est dirigée par un ancien nazi et personne ne réagit. Mmh. On fait comme si ça n'était jamais arrivé. Yeah. Peut-être qu'on est des gens trop peu importants pour qu'on nous écoute. Toi qui es avocat, tu crois qu'on n'a aucun moyen légal? Et si je portais plainte en justice contre Kissinger? Et sur quoi est-ce que tu te baserais? Mon beau-père a été assassiné à Auschwitz. C'est Kissinger qui a ouvert le gaz? Et même dans ce cas, les tribunaux ne jugent pas ce genre d'affaires-là en Allemagne. Et la justice française pourrait le juger? Mais il n'a pas commis ses crimes en France. C'est pour ça que les nazis ne risquent rien en Allemagne. Je suis persuadée qu'il y a un moyen. Oh, je sais rien. Les gens de la rue veulent pas qu'on leur rappelle ces histoires-là. Et ça laisserait froid les hommes politiques. Sauf... Explique-moi ce... Eh bien... Sauf si... Si les grands publics découvrent que la classe politique était au courant. Alors les politiciens devraient agir pour donner l'impression que ça les inquiète. Donc il faudrait éveiller l'attention du grand public et des hommes politiques tous ensemble, et ça... Bon, et si j'arrive devant Kissinger et que j'enlève ma robe? Mais il trouverait sûrement ça très joli. Non, il faut faire quelque chose qu'il trouvera moins joli. Excusez-moi. Beate Glasfeld? Oui. Je suis Franz Mayer. Bonjour. Très heureux. Allons-y. Mais ces propositions n'auront de sens que si elles s'accompagnent d'un accord mutuel et simultané quant au désarmement des nations du bloc oriental. Mes chers collègues du Bundestag, le moment est venu de lancer aux pays signataires du pacte de Varsovie un défi, mais un défi pacifique, de désarmement et la paix mondiale. Souhaitons qu'il relève ce défi. J'ai maintenant l'honneur et le plaisir de céder la parole au chancelier de l'Allemagne fédérale, M. Kurt-Georg Kissinger. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Bundestag, Mesdames et Messieurs, chers amis, avant toute chose, je tiens à rappeler ici devant vous et devant le monde entier la réalité et la solidité indéfectible de l'alliance qui nous lie aux États-Unis d'Amérique. Cette alliance doit être l'instrument pour nous, ainsi que pour toutes les nations de l'Europe libre, d'une coopération toujours plus étroite dans tous les domaines, et notamment celui de la sécurité. Et le seul vœu que je souhaite formuler lors de la réunion au sommet qui aura lieu dans quelques mois, les problèmes inhérents à la communauté économique européenne ne passent pas le problème essentiel de notre temps, qui est celui de la défense des nations occidentales. Cela implique, certes, des sacrifices. Nazis ! Kissinger, démission ! Kissinger ! Nazis ! Démission ! Démission ! Nazis ! Dehors ! Dehors !
Monsieur, je voudrais davantage d'informations. Comment vous appelez-vous? Kissinger, qui est un nazi. Oui, oui, bien sûr. Oui, voilà un dossier sur son passé nazi. Prenez, lisez-le. Pourquoi est-ce que vous vous êtes donné un spectacle? Est-ce que vous faites partie d'un groupe? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Donnez-moi un dossier, s'il vous plaît. Maman, il faut que tu comprennes. Béate, à tes yeux, Serge est le fils d'un héros. Et du coup, ton propre père te fait honte. Et tu salis sa mémoire, Béate. Je sais que s'il vivait encore, il comprendrait, lui. Ce que je fais, je le fais pour moi, pour mon fils, pour mon mari, pour tous les Allemands de ma génération. Nous ne sommes pas seulement les enfants de Beethoven. Nous sommes aussi les enfants de Hitler et de la Gestapo. Ça suffit, Béate. Tu te donnes un spectacle au nom d'une cause. Ta génération n'a rien fait contre. Vous connaissiez ces horreurs et vous avez laissé faire. Moi, je ne peux pas. Mes amis, n'arrête pas de parler de ce que tu fais. Je fais ça parce que je le dois. Dire que tu as épousé un juif. La une de toute la presse. Oui, mais tu sais, j'ai failli renoncer. Il y avait tout ce monde là autour de moi et je regardais cet homme. Il a l'air très intelligent, tu sais. Oh. Et puis presque séduisant, mais il a les yeux trop rapprochés. Et ça je déteste. Alors, je savais que l'occasion se représenterait pas. Et je me suis dit, vas-y, vas-y, il faut le faire. Et je l'ai fait. Oui, tu l'as fait. Fais-moi voir les journaux. Bon, tu as toutes les coupures? Oui, mes coupures de presse. Ne les montre surtout pas, hein, sinon ils risquent de te refouler à l'entrée. Moi, je le souhaite. S'ils te prennent pour une terroriste, ils t'abattront. Je serai prudente. Bon, tu crois que j'ai assez de dossiers? Eh oui, absolument. Il ne faut pas que tu attires l'attention tant que tu ne te trouveras pas devant Kissinger. Tu es consciente du danger? Tu es une mère, Béate. Pense à ton enfant. Justement, c'est à lui que je pense. Bon, écoute, elle y va. La décision est prise, elle doit y aller, tu comprends? Parce que l'heure est venue de l'affronter en face. Il est cerné par des difficultés de toutes sortes et il perd du terrain. Alors accompagne-la. Non, je dois partir seule, je suis allemande. Mais si Serge est à mon côté, tout deviendra flou. Et puis je dois travailler. Aïe ça, je serai prudente, je te le jure. Mesdames, messieurs, chers collègues et amis du CNIC, le congrès de notre parti vient en un temps particulièrement bien choisi. C'est en effet une période troublée qui voit toutes les nations démocratiques confrontées à l'incertitude. C'est pour notre parti, et au-delà du CNU, pour toutes les formations qui s'attachent à défendre une démocratie véritable, l'occasion je de pourrais se passer, rejoindre monsieur. Sur des objectifs communs. Asseyez-vous ici. Mais il faut que je dise un mot à mon collègue qui est au fond. Alors il faut que vous fassiez le tour. En brèche par les positions personne ne me marquera. Voilà pourquoi, mes chers collègues, d'accord. Nous devons faire preuve d'une vigilance de tous les instants face aux dangers qui menacent notre pays. Nous ne pouvons qu'applaudir les positions très nettes et d'une grande fermeté que le chancelier a exposées dans son nazi. Discours d'ouverture. Nazi. 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 Frau Klarsfeld, comment avez-vous pu commettre un acte de violence contre le chancelier fédéral? La violence, c'est d'imposer un chancelier nazi à la jeunesse allemande. Ce tribunal a pour devoir de mettre fin à tout ce qui risque d'entraver la procédure institutionnelle des partis politiques. Nous ne tolérerons pas que se reproduisent des actions de cette nature. Vous êtes condamné à une année de prison, sans remise de peine. Bien, avez-vous quelque chose à dire ? Votre honneur, cette cour siège à Berlin-Ouest, qui est gouvernée par les Français, les Britanniques et les Américains. En tant que citoyenne française, je demande qu'un tribunal français juge cette affaire. Cette cour n'a aucun droit juridictionnel sur moi.
Allô? Ça a marché. Tu es un génie. Ah! J'ai peur d'avoir un conflit juridique. Ah, c'est formidable. Ils feront probablement appel, mais ils ont dû me relâcher. C'est merveilleux. Je t'aime. Lischka. Lischka. Il est en Allemagne. Et alors? Alors, il faut retourner en Allemagne et mettre les projecteurs sur les anciens nazis qui s'y cachent encore. Écoute, il y a eu une coalition en Allemagne pour renverser Kissinger. Il n'y a que 10 mois de ça. Mais oui, et alors? C'est Willy Brandt qui a été élu. Peut-être qu'il va réclamer des enquêtes. Non. Non, mais officiellement, il y a des enquêtes, mais en réalité, il ne faut rien. Est-ce que Barbie est en Allemagne? Non, on ne sait pas où il est, mais Lischka, lui, est à Cologne. Il est même dans le Botin. Et qu'est-ce qu'on irait faire en Allemagne? Il y a des enquêtes qui sont en cours. Mais non, mais coincer Barbie ou Lischka en Allemagne, ça serait du temps perdu. Il faut l'amener en France. Le kidnapper? Mais... Béate, tu auras les flics sur le dos dès que tu entreras en Allemagne. L'approcher, ce sera difficile. Ça, évidemment. Il faut pourtant qu'on l'amène ici et qu'on l'exhibe devant la presse. C'était le chef de la Gestapo à Paris. Il faut le livrer à la police. Ou le kidnapper? Un kidnap, bah oui. Mais oui. Ne comptez pas sur moi. Il n'est pas question que je trempe dans un kidnapping. Dis donc, t'as pas pu te débrouiller pour trouver une voiture encore plus petite? Tu sais combien il aurait fallu que je paye pour en avoir une plus grande? C'est bien assez grand. Quand il sera inconscient, on le pliera en quatre. Tu es sûr que tu le reconnaîtras au moins? On ne serait pas ici si j'en étais pas sûr. J'ai assez étudié de photos de lui. Et tu te sens de force à l'assommer avec cette matraque? Mmh. Hein? Si Steve McQueen y arrive, moi aussi je peux y arriver. Allez, allons-y. Thank you.
satisfaction? Ce matin, j'ai été témoin d'un incident révoltant. Et je tenais à vous mettre au courant. J'ai vu 4 hommes qui attaquaient quelqu'un, un passant qui ne leur avait rien fait. Je m'appelle Maurice Lebon, je travaille au service étranger du journal Le Monde. Selon des rumeurs, il y aurait eu chez vous une tentative d'enlèvement de Kurt Litschka. Il était le responsable de la Gestapo à Paris. Est-ce que vous allez parler de cette histoire? Ici Beate Klarsfeld. J'assume la responsabilité de la tentative d'enlèvement de Kurt Litschka, recherché pour crime de guerre. Oui, c'est ça, Litschka. L-I-S-C-H-K-A. Oui. Et si vous passez au Cologne Park Hotel, je vous donnerai un dossier sur les crimes qu'il a commis. Oui. Comment pourrais-je être une terroriste? Je suis une simple mère de famille qui veut un monde propre pour son enfant. Mais vous risquez une lourde peine de prison pour cette action, non? La police de Cologne n'a sûrement pas très envie de me garder. Est-ce que vous je vous autorise à me citer. Je dis que la police a tout essayé pour que cette histoire ne soit pas ébruitée. Oui, mais si on vous arrête? Si je suis arrêtée, eh bien, nous aurons la preuve que les autorités préfèrent me jeter en prison plutôt que de livrer à la justice tous les criminels de guerre qui vivent en Allemagne en toute liberté. En tant qu'Allemande d'origine, est-ce que vous ne croyez pas? Qu'est-ce qu'il fabrique, Serge? Je crève de faim. Il est pas bête. Il s'est arrangé pour qu'on se tape tout le travail. Posez-le là. Calmez-vous, laissez-lui le temps de faire les courses, non? J'ai pas trop confiance dans ses goûts. Plus tard, laisse-le ici. Il a dit qu'il devait passer au centre, il avait des paperasses à déposer. Alors on est fichu, quand il est là-bas, il oublie tout le reste et il travaille. Ah, voilà, détends. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, allez, mangez. Mais qu'est-ce qui se passe? Le procureur fédéral de Munich a clos le dossier Klaus Barbie. Les enquêtes sont terminées, voilà. On ne peut clore un dossier qu'en cas de décès? Ou faute de preuves. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un gentil Allemand qui ne faisait que son boulot à Lyon? C'est comme l'affaire Litschka. Ils auraient clos le dossier si on n'avait pas mis le grand public au courant. Bon, il faut chercher un plan. Si on trouve rien, on est fichu. Peut-être que je devrais repartir en Allemagne? Peut-être, ouais. Bon, allez, on mange. J'espère que le problème Barbie ne sera pas de mauvais augure pour le nouvel appartement. Nous avons vraiment une drôle de vie de famille. Oh, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu voudrais avoir un autre enfant? Oui. Oui, j'ai envie. Je sais que c'est difficile. Mais moi aussi. Tu sais ce qu'il faut préserver? C'est une espèce d'équilibre. Il ne faut pas que notre vie se passe à mi-chemin entre notre famille et la cause qu'on défend. On a besoin des deux. On en a besoin. Moi, j'ai perdu trop de gens dans ma famille pendant la guerre. Je ne veux pas que les nazis ou qui que ce soit nous empêchent de vivre. C'est vous qui conduisez la délégation? Oui, c'est moi. Dites, croyez-vous vraiment que Ludolf va réouvrir le dossier Barbie? Alors ça, je n'en sais rien, je l'espère. Et que feront les associations de résistants français? Oui, nous savons français, qu'il y a bien des résistances ici. Eh bien, nous venons de remettre une pétition chez le procureur Ludolf et je n'ai rien d'autre à vous dire. Et d'autres dossiers vont être enterrés aussi. Vous ne croyez pas au succès de cette pétition? Litschka ne sera jamais poursuivi en justice. Le procureur dit que c'est parce qu'on ne lui a présenté aucun nouvel indice concluant. Et ça fait plus de 26 ans que la guerre est finie. C'est un peu tard pour protester. A-t-on le droit de fixer une date limite pour la justice? Barbie a exécuté le mari de Frau Hallenbrenner et a déporté ses 3 enfants dans les camps de la mort. Vous ne croyez pas que ça justifie notre volonté de réouvrir le dossier, même 26 ans après? J'ai de nouvelles preuves que nous allons présenter au procureur. Et nous allons rester devant ce tribunal, où les lois sont censées être respectées, tant que le dossier Barbie ne sera pas réouvert. J'ai passé 16 jours en prison à cause de l'affaire Litschka. Cette épreuve n'a pas été agréable, mais elle a réussi à retourner l'opinion publique. Et je suis prête à recommencer. C'est à Barbie que je dois la mort de mes 3 enfants. Mes 2 petites filles ont été gazées à Auschwitz. Mon petit garçon est mort de faim et de froid dans les mines de sel polonaises. La Gestapo a arrêté mon mari. Et Barbie l'a fait fusiller. J'ai pu le voir à la morgue. Il avait reçu 17 balles dans le corps. Je crois que vous avez gagné, madame. Mais vous devriez rentrer. Oui, je vais rester, Ita. Et toi, tu vas te reposer à l'hôtel. Non, je vais rester aussi. Je veux qu'on rende une vraie justice à mon mari et à mes enfants.
attention, si cette vieille femme prend froid et meurt de pneumonie, la presse va dire que vous êtes pire que Barbie. C'est de la publicité qu'elle cherche. Je ne fais que mon devoir. Je ne tolère pas qu'on fasse pression de cette façon. Ah, mais si elle meurt ici, nous n'en finirons jamais avec cette affaire. Je le crains, oui. Faites-les monter. Je ne cherche aucunement à tourner la loi, Frau Klarsfeld. Et mon but n'est pas de laisser les nazis impunis. Mais ce qui semblait probant juste à la fin de la guerre a perdu beaucoup de son poids aujourd'hui. Si Barbie était conscient d'envoyer des prisonniers dans un camp de la mort, ça, ce serait un crime. Mais où sont les preuves? Je refuse de rouvrir le dossier, en l'absence de preuves concluantes. La délégation des anciens déportés de Lyon a remis une pétition ce matin. Et j'ai de nouveaux documents, des preuves. Acceptez-vous de les voir? Ces dépositions établissent que Barbie était parfaitement au courant. Tenez, ici, Barbie déclare à un responsable de la communauté juive qui protestait contre les exécutions sommaires, fusillé ou déporté, aucune différence. Barbie savait que c'était des camps de la mort. Mais ce ne sont que des on-dits. Un homme rapporte ce qu'un autre homme aurait entendu Barbie dire. Je ne peux pas asseoir un procès là-dessus. Ce ne serait pas recevable devant les juges. Et si on retrouve l'homme qui a entendu Barbie faire cette déclaration? Frau Klarsfeld, si vous trouvez l'homme qui a entendu Barbie faire cette déclaration, alors je réouvrirai l'affaire. Je l'ai retrouvé. Bonjour, Ita. Je l'ai retrouvé. Il est avocat. Il s'appelle Raymond Geisman et on a rendez-vous avec lui maintenant. D'ailleurs, en fait, on devrait déjà y être. Ah bon. Arnaud, tu restes avec Ita et Raissa. Je vais rentrer très vite. D'accord? Oh, Ita a été merveilleuse. Elle a réussi à obtenir une valise. Laisse, ma chérie. Je me rappelle la scène très bien. Je représentais la communauté israélite que la Gestapo avait créée pour nous garder sous contrôle. Nous étions tous bouleversés par les exécutions sommaires qui nous décimaient. Barbie faisait arrêter un homme pour l'interroger. Et ensuite, le malheureux était mis à mort, à Fort Montluc. Ce jour-là, quand j'ai protesté, il m'a regardé comme si j'étais un simple d'esprit. Il a dit, exécuté ou déporté, ça revient au même. Je n'osais croire ce que ça signifiait. Les camps allemands étaient-ils des antichambres de la mort? Ce témoignage est suffisant pour que je rouvre l'affaire Barbie dès aujourd'hui. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Je veux agir de façon concrète, pas juste symbolique. Je le dois. Ceci peut vous aider. Ce sont des photos de Barbie. Elle date de quand? De 1943. Il avait 30 ans. Maintenant, où est-il? Je vous souhaite de le découvrir. Mais ce ne sera pas facile. L'apparence d'un homme peut changer. Ils ont recours parfois à la chirurgie pour avoir un nouveau visage. Merci. Ces photos nous aideront beaucoup. Madame Klaas, merci infiniment d'être venu. C'est moi. Monsieur, je suis Herr Lovejoy. Enchanté. Si nous commandions. Oui, pourquoi pas. Comme je vous disais au téléphone, je vis au Pérou. Il y a beaucoup d'Allemands comme moi en Amérique du Sud. Des bons, des méchants et des pourris.
Le procureur Ludolf de Munich m'a dit que je pourrais peut-être vous être utile. Madame, messieurs, s'il vous plaît. Merci. Ça me manque, la cuisine européenne au Pérou. C'est trop épicé chez eux. Oui. C'est quoi cette photo? Une photo de groupe des Allemands à La Paz, en Bolivie. Prise en 1968. Ici, je crois que c'est Theodor Dannecker. Ah, oui, c'est lui qui était à la tête du bureau des affaires juives en France. Vous êtes sûr que c'est Dannecker? Sûr? Non, j'ai dit je crois. Il y a guère de moyens d'être sûr. Ils sont protégés. Il y a des anciens de la Gestapo qui aujourd'hui enseignent à la police les méthodes nazies. L'espionnage, l'interrogatoire musclé, le chantage, j'en passe. Donc, je crois que c'est Theodor Dannecker. Je croyais qu'il était mort, non? Camouflage idéal. Et alors, cet homme, comment se fait-il appeler? Je tâcherai de trouver son nom actuel. Nous pouvons garder cette photo? Ah oui, bien entendu. Oui, d'abord, je veux revoir le texte. Comment? Non, ce sera trop juste, ça. Je pensais à ce que Herbert Jones disait. Oui. Viens, oui, documentation par quoi? Non, c'est... Non, écoute, bon, je veux te quitter, je te rappelle. Au revoir. Tu te rappelles ce qu'il a dit sur les Allemands qui sont en Amérique du Sud? Des bons, des méchants et des pourris. Mm-hmm. Et si Barbie se cachait là-bas? Ah. Là, c'est Barbie. Et là, ça pourrait être Barbie. Non. Si? Non, Herbert John a dit Dannecker. D'après tes dossiers, il est mort, ce Dannecker. Ça peut être quand même sa photo. C'est Barbie. J'en suis sûre. Ça ressemble plus à Dannecker mort qu'à Barbie vivant. Où as-tu noté ce que disait Herbert John? Là, c'est dans mon bloc. Il a dit qu'il se faisait appeler Klaus Altmann. Hmm. Klaus Barbie est devenu Klaus Altmann. Ouais, voilà pourquoi il n'y a aucune trace de lui en Allemagne. Il est en Bolivie. Mais non, c'est pas lui. J'ai raison. Tu fais un pari sur la comète. Je suis sûre que j'ai raison. Et je te le prouverai que j'ai raison. Bonjour, Madame Klarsfeld. Bonjour. Peut-être pas. Je vais les étudier. Mais ça pourrait être le même homme. Peut-être. C'est donc possible. Madame, voyons, laissez-moi le temps d'étudier ces photos. Je vais les photocopier. Hein. Je ne peux pas passer ces photos, madame. Si ce n'était pas Barbie, je risquerais d'avoir un procès. Je suis allée au service d'anthropométrie. Ils sont certains que c'est le même homme. Dès que ce sera officiel, rien ne m'empêche de les apporter à toute la presse parisienne. Mm-hmm. D'abord, je tiens à consulter notre service juridique. Merci. Thank you.
basse. Tu sembles. Il y a un type qui me suit. Il est partout. Il doit m'attendre près de la voiture. Tu l'as dit à Serge, bien sûr. Non. Non, j'aime mieux pas. Si je lui dis, il voudra que je laisse tout tomber. Dis-lui. Tu crèves de peur. Avoue-le. Oui, j'ai peur, c'est vrai. Pour nous tous. Bon, alors c'est à moi de jouer. Tu rentres tard. Tu fais des progrès? Ah oui, ça fait presque peur. Côté stratégie, ça va bien. Et côté patience, il y a encore des progrès à faire. La patience, c'est le secret. Va te brosser les dents. Viens avec moi, maman. J'ai baptisé le roi noir Barbie. Tu veux jouer? Béaté. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur pour Arnaud. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui me suit. Quoi? Oui, dès que je sors d'ici. Il faut appeler la police? Non, parce que s'ils voient qu'on a peur, ils auront gagné. Oui, non, enfin quand même. Puis, je suis si fatiguée ces derniers temps. Fatiguée? Hein? Fatiguée? Tu es fatiguée? Tu ne seras pas un peu enceinte? Peut-être. Eh bien, ben, il va falloir qu'on soit plus patient, hein, c'est tout. Mais je comprends pas. Non, il va falloir arrêter pendant quelques temps jusqu'à ce que le bébé soit né. En attendant, arrêtez non, quoi? Non, non, on mais va non, faire des travaux de recherche. Personne ne suit des dossiers. Non, j'arrêterai pas. On risque de perdre Barbie. Es-tu plus importante que Barbie? Voyons d'abord si je suis enceinte et on dira après. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Merci. Alors? Tu veux une fille ou un garçon? Les deux. Maman! Papa! Bonjour. Oh, mon bébé. Il y a un paquet, viens voir. Un paquet? Il est sûr que ce sont des bonbons. Oui, c'est écrit sur le paquet, regarde. Ah, bon. Des tas de bonbons. Voyons voir. Ouvre vite. T'es pressé. C'est l'anniversaire de personne, si? Hmm? Ce sont des chocolats? Mais qu'est-ce que c'est? Ils ont fondu? Arnaud, laisse ça. Arnaud. Donne-moi ça. Arnaud, viens. Bon, appelle la police. Va appeler la police de chez les voisins. Emmène maman et Arnaud. Allez, vite. Va-t'en, je te rejoins tout de suite. Va-t'en. Ça y est, remonte avec Arnaud, maman. Arnaud? Allez, va vite.
C'est une bombe artisanale. La police a parlé avec la concierge. Mais elle ne sait plus qui a apporté le paquet, évidemment. Aucun indice, rien. Il y avait près de 300 clous comme ça, tu peux imaginer. Ils s'affolent. Ils sentent le filet qui se resserre. Peut-être qu'ils se resserrent, mais ils ont failli tuer Arnaud. Il faut que j'aille en Bolivie, et là je trouverai Barbie. Non mais tu es folle. Si tu vas là-bas, tu te feras tuer. Écoute, ils te tueront. Serge, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, pour le moment, étudions le dossier. C'est pas dans les non, dossiers qu'on trouvera Barbie, mais je ne suis je pas Je ne veux pas risquer la vie d'une seule personne à cause de tu ce sujet. Tu dis très bien qu'on... Pas une mais seule, Mais Serge, c'est toi qui dis que l'archer de document n'est pas la première étape. Cette discussion est close. Il faut l'amener devant les juges. On est à deux doigts de gagner. J'ai l'intention de chercher du travail. Si tu te contentais d'être une mère pour l'instant. Ça aiderait nos finances. Nous avons Arnaud, nous avons un autre enfant en route et je voudrais bien que tu penses qu'à ça pour le moment, si c'est possible. Arnaud, le petit déjeuner. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Oui, oui. Oui, merci. C'est une chance d'avoir eu ces photographies. C'était le type de l'anthropométrie. Il a étudié les deux portraits. Et il dit que c'est bien lui. Barbie, assassin! Barbie, assassin! Barbie, assassin! Barbie, assassin! Barbie, assassin! Barbie, assassin! Bonjour. Bonjour. On vient de me dire que vous êtes Serge Klarsfeld. Oui. Je m'appelle Simone Lagrange. Uh-huh. Je suis certaine que sur la photo de l'aurore, c'est Klaus Barbie. Vous êtes sûr? Oui. On a un ami commun, Raymond Geismann. On pourrait peut-être se voir et parler de tout ça. Bonne idée. Je sais que cet homme est Klaus Barbie. Comment le savez-vous? Je l'ai vu pendant la guerre. Je ne pourrais jamais oublier ses yeux. Tout ça remonte à plus de 25 ans, non? Et vous étiez bien jeune, alors. J'avais quand même 13 ans. Pardonnez-moi, on ne met pas en doute votre sincérité, hein, bien entendu, mais enfin, la mémoire peut jouer des tours et les gens changent. Vous comprenez, nous avons besoin d'être sûrs. Il y a peu de chances que j'oublie Klaus Barbie. Il m'a interrogé pendant 8 jours. À l'époque du débarquement, en 1944. La Gestapo nous a emmenés, mon père, ma mère et moi, au Fort Montluc. Mes parents avaient envoyé mon frère et ma petite sœur à la campagne parce que, juste avant l'invasion, il y avait des bombardements épouvantables, même à Lyon. On nous a fait entrer dans une salle d'interrogatoire. Comme elle est mignonne. Vous avez d'autres enfants, madame? Un petit garçon et une fille. Ils sont à la campagne. Veuillez préciser leur adresse. On n'en sait trop rien. On les bouge sans arrêt. À cause des bombardements. Ton nom? Simone. Simone. Est-ce que tu pourrais me dire où ils sont?
Non, parce que on les bouge sans arrêt, les bombardements. Ah oui. Puis nous avons été déportés à Auschwitz. Là-bas, j'ai revu mon père pour la première fois depuis Fort Montluc. J'ai demandé au gardien SS si je pouvais l'embrasser. Quand il a été près de moi, ils l'ont tué. D'une balle dans la nuque. Je suis la seule à avoir survécu. Si on pouvait organiser ça, est-ce que vous viendriez avec moi en Bolivie pour confondre Barbie? J'aurais pas la force. C'est trop dur. Si jamais je le revoyais, je pourrais... Faut chercher de quoi payer le voyage. Il y aura bien quelqu'un pour nous financer. La presse aidera peut-être. Oui, peut-être. Mais il va falloir trouver des preuves spectaculaires pour que la Bolivie accepte officiellement de nous aider. J'en trouverai. Tu sais, à chaque fois que tu t'en vas, j'ai l'impression... On est dans une sorte de gare comme Auschwitz, qu'on t'emmène d'un côté et Arnaud et moi d'un autre. Et jamais on ne te reverra. J'ai l'impression que les nazis nous séparent encore, toi et moi. Mais cette fois, c'est nous qui tenons le fouet. Klarsfeld. Ah, c'est gentil d'être venu nous chercher. Je vous souhaite la bienvenue en Bolivie. Ita Halen, Brenna et Habat. Voyage? Si, si. Otravez, otravez. Non, je suis Beate Klarsfeld. Je viens pour démasquer Klaus Altman. Bonjour, enchanté. Ita, est-ce que tu veux distribuer ces dossiers? Madame Klarsfeld, je suis Luc Pleyel, je suis de l'agence France-Presse. Bonjour. Bienvenue à la page. Je viens pour démasquer Klaus Barbie, le tortionnaire nazi qui a exécuté des milliers de personnes. Il faut lire ce dossier, il est en espagnol. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Il faut démasquer Klaus Altman. Por favor, todos los pasajeros procedentes de París, vuelo 16, pasen directamente por la aduana. Tengan preparados los pasaportes y salen. Gracias. Moi, l'intention de vous offrir un quelconque conseil, mais dans ce pays, les autorités détestent qu'on fasse pression sur elles. Surtout quand c'est le fait d'une femme étrangère et sans relation. Barbie bénéficie de la protection de la police. Vous pourriez avoir de gros ennuis. J'ai l'intention de faire un grand papier, madame. Je suis à votre service. Vous êtes admis en Bolivie à condition que vous ne fassiez aucune déclaration à la presse. Si vous n'êtes pas d'accord, vous reprendrez l'avion de Paris immédiatement.
Alors, je vous donne mon accord. Vous savez que tout le bruit que vous avez fait a forcé Altman à accepter un interview télévisé ce soir au journal? Très bien. Ça devrait être intéressant. Merci de nous avoir amenés. Est-ce que vous connaissez un bon docteur? Madame Hallenbrenner peut en avoir besoin. Non. Oui. Essayez. Ernst Schuller, Avenida Bolivar, numéro 36. Merci. Et puis je voudrais que vous me donniez certains renseignements. Voilà. Vous voulez qu'on dîne ensemble? Oui, d'accord. Bien, alors, je passerai vous prendre ici à 9h, après l'interview d'Altman à la télévision. Entendu. À ce soir. Muchas gracias. On ferait mieux de changer d'hôtel. Tu veux bien? Oh, je suis si fatiguée. Cette chambre est bien, je trouve. Pas toi? Oui, tu as raison. Installons-nous. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Qu'est-ce qu'on fera si Altman n'est pas Barbie? Comment est-ce que je le reconnaîtrais si ce n'est pas lui? Cet énorme voyage pour rien. Ita, je sais que tu reconnaîtras Barbie. Les autorités allemandes et le parquet de Munich se disent convaincus que vous êtes Klaus Barbie. Qu'avez-vous à répondre? Je ne suis pas Klaus Barbie. Non, je vous l'ai déjà dit. Je suis Altman, Klaus Altman. Le parquet de Munich pourra le vérifier facilement. On a publié des photos de Barbie qui vous ressemblent trait pour trait. Pure coïncidence. Le hasard peut provoquer bien des erreurs. Étiez-vous dans l'armée allemande? Oui, j'ai pris part à l'invasion de la Hollande et de la Belgique. Ensuite, j'ai été envoyé sur le front russe. Et à la fin de la guerre, j'étais dans la 12e division blindée, dans la Ruhr. Certains affirment que vous étiez dans la Gestapo. Que vous avez participé aux tortures, comment dirais-je, avec ceux qui fouettaient les prisonniers. Je n'ai jamais été dans la Gestapo. Je n'ai jamais été à Lyon. Je n'ai jamais torturé qui que ce soit. J'ai la conscience tranquille. Et je supplie le peuple français de me croire. C'était une interview du seigneur Klaus Altman. Nous reprenons maintenant le cours du journal. Un incendie s'est déclaré hier dans la... Qu'est-ce que tu en penses, Ita? C'est Barbie. Je n'en sais rien. Peut-être que si je le voyais en personne... Si tu veux savoir, regardez cet homme, ça m'a troublée. Je ne sais pas, je ne sais plus. Il faut le voir face à face. Écoutez, il faut que quelqu'un réplique aux dénégations d'Altman. Laissez-moi en parler à votre place. Pourquoi vous courez ce risque? Le scoop? Oui, bien sûr, il y a ça. Mais il y a aussi Barbie. Je suis français. Et si c'est vraiment Barbie qui vit ici dans le luxe et en toute impunité, ça m'ennuierait beaucoup. Alors je ferai tout ce que je peux pour l'épingler. Et vous? Et vous? Une non-juive. Pourquoi? Je suis allemande. J'aime mon pays. Je ne veux pas avoir honte de lui. Mais une femme... Barbie a massacré des enfants.
Vous ne pensez pas que c'est une bonne raison? Pincer Barbie, c'est quasi impossible. Il faut que vous vous en rendiez compte. Je veux essayer. Cette publicité va compliquer les choses pour Barbie. Et c'est pour ça qu'on me suit. Barbie a peur. Tu as appelé le docteur Schuller? Je me sens mieux ce soir. J'ai fait une sieste. Serge a téléphoné? Non. J'ai envie de le voir. Et Arnaud aussi. On va bientôt rentrer. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? J'espère que je pourrai faire quelque chose ici. Ce parapluie m'a arraché tout ce que j'aimais le plus au monde, Béate. Je le revois souvent en cauchemar. J'ai encore fait ce cauchemar tout à l'heure. Dans ce rêve, Barbie s'approche, vient me prendre. Je sais qu'il va m'enlever tout ce que j'ai et qu'il voudra. Il faut que je le tue. Quand ils sont venus m'arracher mes enfants, j'étais incapable de penser qu'ils allaient mourir. Je garde espoir, malgré tout, il le fallait. Mais j'ai survécu, mes enfants. C'est atroce! Dénoncer cet homme, c'est tout ce qui me reste. Mais si c'est une erreur, si cet Altman n'est pas Barbie, si je ne peux pas le reconnaître, mon Dieu, qu'est-ce que je deviendrai? Je suis Madame Klarsfeld de Paris. Eh bien, veuillez vous asseoir. J'ai d'autres personnes à voir. Vous pouvez entrer. Une simple personne privée qui exige une extradition. Stupéfiant. Le seigneur Altman Barbie est stupéfiant aussi. Si vous lisiez le dossier, vous verriez... Je vais le lire avec intérêt, oui. Je dois vous rappeler, signora, que la moindre déclaration de vous à la presse entraînera votre expulsion immédiate. Je ne ferai pas de déclaration à la presse. Et vous, qu'allez-vous faire pour Barbie? C'est très difficile.
Altman et Barbie peuvent n'avoir aucun rapport. Il n'y a aucun doute là-dessus, il s'agit de cet homme-là. Et les explications sont dans le dossier. Vous êtes franchement stupéfiante. Je n'ai accepté de vous recevoir que pour vous rappeler que vous ne devez pas tenir de conférences de presse d'aucune sorte. Je vous assure que je ne m'adresserai pas à la presse. C'est une plaisanterie, señora. Vous ne quittez pas ce journaliste de l'agence France Presse. Alors pourquoi le seigneur Grimminger a dit ce matin... Je crois qu'il vous a trouvé amusante. Moi, pas. Si vous convoquez la presse, señora, je vous ferai expulser. Allô? Enfin. Je l'aurai demain matin. Bonne nuit. Ça y est. C'était Pleyel. Les documents viennent d'arriver d'Allemagne. Ils montrent que la femme de Barbie et leurs enfants portaient exactement les mêmes noms que ceux d'Altman. Et qu'ils ont les mêmes dates de naissance. L'ambassade de France demande que Barbie soit extradée. On commence à progresser. Compte du mal que Barbie pourrait faire s'il comparaissait devant un tribunal. Il voudra salir des Français innocents en disant qu'ils étaient des collaborateurs. Est-ce que je dois comprendre que la justice française est incapable de faire la différence entre les innocents et les autres? Si des Français ont collaboré, alors c'était des collaborateurs, et dans ce cas, il faudra qu'ils paient leur faute. Et qui va croire Barbie quand on apprendra qu'il a massacré des enfants? Regardez ça. Le plus célèbre avocat international qu'ils aient ici a déclaré « Notre pays est un asile sacro-saint ». C'est cet homme qui défendrait Barbie, au cas où la justice bolivienne devrait se prononcer sur la requête d'extradition. Autant dire que vos efforts sont voués à l'échec. Pour votre sécurité, madame, je vous conseille vivement de rentrer à Paris. Ah, salut. Quoi de neuf? Luc, est-ce que vous pourriez convoquer les journalistes ici, disons, à 5 heures? Bien entendu. Oh, mais vous savez, la police va être mise au courant. Très bien, je ne demande que ça. Ils ont essayé de m'enlever mes meilleures armes, alors je vais les piéger d'une autre façon. Ita va parler à ma place. Tout le monde sait ce que Barbie a fait. Si cet homme était Barbie, on l'aurait déjà arrêté. Si je pars à la presse, je serai expulsée aussitôt. Mais toi, ils ne t'ont pas interdit de parler. Et puis, ils ne savent pas tout. Ici, c'est si loin. Et si cet homme n'est pas Barbie? Madame Klarsfeld ne dira rien aux journalistes. Non, rien du tout. Por favor, un poco de silencio. Por favor. Por favor. La señora Klarsfeld n'a pas le droit de communiquer avec la presse. Je vous en prie. Précisez bien dans vos journaux qu'elle n'a rien dit. Heureusement, heureusement, il y a un dossier concernant le señor Altman Barbie et je vais vous le distribuer. Voilà, aquí está, no, uno solamente para cada uno, sí, ya está, por favor. Thank you.
pas me garde-t-on ici. Je veux appeler mon ambassade. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Beate, où est-ce que tu avais disparu? Vous êtes le docteur Schuller? Oui, Madame Klarsfeld, n'est-ce pas? J'étais si inquiète pour toi. Oh, ce n'est pas grave, juste un peu d'hypertension. Pourquoi est-ce qu'on t'a séparé de moi? J'ai été arrêtée par la police. J'ai juste besoin de dormir. Qui est là? Leyel. Bonsoir. Bonsoir. Je viens d'apprendre qu'on vous a relâché. On vous a rien fait? Bien, je m'en vais. Merci, merci, docteur. À bientôt. Et si vous avez besoin de moi, appelez. Oui, merci. D'après les bruits, on va vous expulser demain, toutes les deux. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai découvert où Barbie vit et l'adresse de son bureau. Est-ce que vous pouvez me prendre demain ici à 8 heures? Bien sûr. J'ai quelque chose à faire avant qu'on nous expulse. Avec un photographe? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Dès que tu le vois, pointe le doigt vers lui. Tourne-toi ensuite vers la presse et crie. C'est Klaus Barbie. C'est l'homme qui a assassiné mes enfants. Ita, ça va? Ita, c'est peut-être la seconde la plus importante de ton existence. Quand va salir? Si. Ella arriva de ventana. Van a esperar a quel lado. Dites à Klaus Barbie que Beate Klarsfeld veut le voir. Bueno, cuando Altman me parece. Y no se olvide que se hizo una foto de la señora cuando sale Altman. Altman est sorti. Il est ici. Sinon, pourquoi tous ces gardes du corps sont là? Non, non, c'est rien. Hay que esperar más. Fais quelque chose, je t'en prie. Montre cet homme. Accuse cet homme. Dis, vous avez tué mes enfants. Un petit peu moins, lo siento mucho, pero no me dejes. En tout cas, on pourra faire publier le témoignage d'Ita. Oui. Comme ça, ils sauront à quoi s'en tenir. Thank you.
Ça va? Qui est là? Le docteur Schubert. Oh, madame Glasfeld. Je suis enceinte de 3 mois, docteur. Si jamais je perdais ce bébé, je veux que personne ne le sache. Je vais vous amener à mon cabinet. C'est pas très loin d'ici. Je veux pas que les nazis apprennent que j'ai perdu mon enfant à cause de Barbie. Allô? 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 Beate! Ah, je voulais entendre ta voix. Ça va? Beate, tout va bien? Oui. Ça va, et toi? Et Arnaud? Bien, bien, il va très bien. Hein, tu lui manques, hein, tu t'en doutes. Oui, tout va bien ici. Mais dis-moi, est-ce que Ida a pu dénoncer Barbie devant la presse? Non. Elle ne le fera que quand elle le verra. Elle veut être tout à fait sûre. C'est difficile. Oui, oui, je comprends. Mais on peut rien faire de plus. Mais tu vas bien, toi? Beate? On reprend l'avion de demain à 3 heures. J'ai perdu le bébé. Parle-moi, Serge. J'ai besoin d'entendre ta voix. Emma, je sais pas quoi dire. Je sais. Je t'aime. Très bien. Bonsoir. Je refuse qu'on s'en aille demain, parce que on ne peut pas. Le passé est là, il pèse trop. Je dois démasquer cet homme. Pour eux. Tu es sûr? Son bureau est de l'autre côté de la place. Tiens la pancarte bien haut, il faut qu'il puisse la lire. Tenez bien la pancarte devant vous et en même temps montrez du doigt la fenêtre où se trouve Barbie. Ça va vraiment servir. Et oui, bien sûr. Oui, oui, je vous en prie. Non, espérez, mejor de atrás. Ah, sí, está bien. Vamos a quitar.
viendo. Esto es mentira. Quita la caleta. ¿Qué pasa con la mano? ¿Qué pasa? Siempre haciendo lo mismo. Protestando. A tu país. Dieu sait ce que Barbie a fait, et Dieu obtiendra justice, et que l'ange Barbie sera puni. Il ne cachera pas la vérité éternellement. Maintenant, le monde entier sait qu'il est Klaus Barbie. En 1983, un nouveau gouvernement vint au pouvoir en Bolivie. Et Klaus Barbie fut enfin extradé en France. Aujourd'hui, il attend d'être jugé pour crime contre l'humanité. La même année, le département de la justice des États-Unis publia un rapport de 218 pages qui reconnaissait la responsabilité américaine dans l'affaire Barbie et qui recommandait que l'Amérique présente des excuses officielles à la France pour avoir entravé l'action de la justice.